Nous allons entendre Maître Élie Lelouch du barreau de Paris, dont le titre de la plaidoirie est Nasrine Sotoudé, défenseur sans défense. Maître, bonjour. Bonjour. Traditionnelle question. Si je peux me permettre, comment avez-vous eu connaissance de ce concours Bien, Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être au contact de l'information pour connaître l'existence de ce concours, mais j'en ai eu connaissance au lycée, grâce à ma professeure de français, puis à l'EFB. Et j'ai décidé de soumettre ma candidature avec une plaidoirie qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Très bien, on a hâte de vous écouter. Je vous laisse retirer votre masque. C'est à vous. À la lecture du tweet. Publié mercredi soir par mon bâtonnier Olivier Cousy, je me suis violemment extirpé des bras de morphée dans lesquels je m'apprêtais à tomber. Nasrin Sotoudeh venait d'être libérée. Soudain, ma violente envie de dormir après une journée éprouvante ne devint qu'un lointain souvenir. Aussitôt, je me précipitais sur mon ordinateur pour savoir exactement quelles étaient les conditions de sa libération. Qu'en était-il exactement Quel était son état de santé Pourtant, avant de m'enquérir de détails supplémentaires, une joie sans commune mesure m'envahit. Quelle joie! Quelle joie et quel plaisir que j'aurais à déchirer cette plaidoirie que j'avais préparée de longue date pour ce concours, parce que Nasrin était libre! Quelle joie j'aurais eu à détruire ces feuilles, remplies de tristesse, de révolte et d'aigreur, parce que Nasrin avait été libérée! Mais non, il n'en fut rien. Et l'ascenseur émotionnel fut violent. Non, Nasrin Sotoudeh n'était pas libre. Elle s'était simplement vue octroyer une permission de sortie en vue du nouvel an iranien qui s'est déroulé la veille. Ainsi, dans quelques jours, Nasrin sera réincarcérée et tout redeviendra comme avant. Dans quelques heures, elle sera emprisonnée et ses espoirs de survie s'amenuiseront peu à peu. Dans ces conditions, mesdames, messieurs, les mots que je devais vous prononcer aujourd'hui resteront inchangés, car en vérité, rien n'a changé. Ma chère Méravé, ma fille, ma fierté et ma joie, voilà six mois que j'ai été arraché à toi. Tout ce que j'ai fait est légal et conforme à la loi. Ma chère Méravé, je n'ai jamais été capable d'ignorer les droits de mes clients, au même titre que je n'ai jamais pu ignorer les vôtres. J'espère voir des jours meilleurs. Je t'aime. Lorsque Nasrin Sotoudeh écrivait ces mots en 2011, elle n'imaginait pas la décennie de calvaire qui l'attendait. Ce calvaire, encore un avocat vient vous le relater, un de plus, un de trop. Aujourd'hui j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd quand je vois comme cette robe me pousse à me sortir de ma naïveté pour me projeter en plein visage les malheurs vécus par nos confrères de par le monde. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité. Conscience, indépendance, probité et humanité. Voilà notre serment, voilà notre acte de naissance. Une fois que nous aurons prononcé ce serment, celui-ci nous restera chevillé au corps pour toute notre vie. Cher Jérôme Gavaudan, cher Olivier Cousy, cher Hélène Fontaine, chers membres du jury et confrères, vous souvenez-vous du jour de votre prestation de serment Je le crois sans aucun doute. Ce jour-là, vous étiez tous apprêtés et impatients de lever la main droite. Pour prononcer ces mots qui bouleverseraient votre vie. Je le jure. Ce jour-là, auriez-vous pu imaginer que ces trois mêmes mots pourraient vous conduire un jour en détention Que ces trois mêmes mots pourraient vous valoir arrestation sommaire et torture Au seul motif d'avoir fait votre travail Non, bien sûr. Aucun d'entre nous n'a imaginé cela. Car la France est un État de droit où les avocats sont protégés et la défense libre. Mais en République islamique d'Iran, ce magnifique serment prend une toute autre résonance. Et malheureusement, hélas, notre consoeur Nasrin Sotoudeh ne pourra pas me démentir. Au cours des précédentes éditions de ce concours, vous avez vu beaucoup d'autres confrères se succéder pour plaider la cause de Nasrin. Et j'ai d'ailleurs une pensée très confraternelle pour mes consoeurs Camille Lucotte et Roxana Nazarsadeh qui s'y sont essayés avant moi. Mais si je me tiens devant vous aujourd'hui, pour revéquer une nouvelle fois ce drame. C'est parce que l'état physique de Nasrin se détériore, de jour en jour, malgré cette permission de sortie inattendue. Mais qui est donc Nasrin Sotoudé Qu'a-t-elle fait pour mériter cette peine Quelles atrocités a-t-elle pu commettre pour, être, pour avoir été condamnée à mourir à petit feu S'il en était encore besoin, replongeons-nous quelques années en arrière pour mieux comprendre ce désastre. République islamique d'Iran 2009 Mahmoud Armani-Nedjad vient d'être réélu pour une durée de 4 ans à la tête du PU, à l'issue d'un scrutin fortement contesté par l'opposition. Nasrin assure alors la défense des chefs du mouvement vert, farouches opposants au raïs reconduit. Cela lui valut une première condamnation à 11 ans de prison en 2010 pour diffusion de propagande, avant qu'elle ne soit graciée en 2013. Nasrin Sotoudeh fut alors emprisonné dans la fameuse mais néanmoins funeste prison des vins, 20, section 209 qui regroupe encore aujourd'hui l'élite intellectuelle iranienne. Après ce premier séjour carcéral d'une rare violence et jour de torture, perpétré au mépris de tous les traités internationaux signés par l'Iran, et bien après tout ça, pensez-vous que Nasrin ait cessé son activité Imaginez-vous une seconde que ces persécutions aient eu raison de ses convictions les plus profondes Non, bien sûr. Nasrin continua, encore et toujours, contre vents et marées. N'oubliez jamais que la défense est son sacerdoce, elle ne peut pas faire autrement. C'est alors qu'en 2018, elle assura la défense de jeunes femmes qui avaient refusé de porter le voile en public. Ces mêmes femmes qui, la semaine dernière, dans le métro iranien, ont chanté à tête découverte pour provoquer le régime de Mullah. des Mollahs. Inclinons-nous, mesdames et messieurs, en cette belle journée de fête des droits de l'homme, devant le courage de ces femmes. Qui, malgré elles, font l'histoire. Pour les mots-là, cette défense n'est qu'une provocation de plus, évidemment. Le 13 juin 2018, le gouvernement ordonna alors l'arrestation de Nasrin au prétexte d'une condamnation inventée de toutes pièces dont elle n'a jamais eu connaissance. Le 11 mars 2019, enfin, Nasrin fut condamnée à 33 ans de prison supplémentaire et à 148 coups de fouet pour collusion en vue de nuire à la sécurité nationale. Malgré une preuve, prémission de sortie de quelques jours pour raisons de santé en janvier dernier, elle partage depuis lors une cellule avec une quarantaine d'autres femmes, dont l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkar, à qui nous pensons beaucoup aujourd'hui. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà la disposition à placarder dans toutes les rues de Téhéran. Voilà le principe cardinal. À rappeler à Hassan Rouhani et à l'Ayatollah Khamenei. Vous l'aurez compris, toute cette infamie s'est déroulée sans procès et donc sans défense. La République islamique d'Iran et ses ayatollahs ont donc oublié avoir signé le pacte international des droits civils et politiques, garantissant le droit à un procès équitable. Mais cependant, qui s'oppose réellement à cette tragédie Quel gouvernement quelle organisation internationale élabore un plan d'action pour obtenir la libération de Nasrin À notre modeste niveau, nous ne pouvons que nous rassembler, comme ce fut le cas le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée des droits de la femme, des droits des femmes. Mais pour que les sauges bougent, ce sont aux hautes sphères de ce pays de s'emparer de cette tragédie. On pourra alors m'objecter que le 24 février 2021, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, se disait vivement préoccupé par la situation de notre consoeur. Mes chers Jean-Yves Le Drian, nous voulons plus qu'une simple préoccupation. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d'une déclaration lacunaire dans la presse. Combien faudra-t-il de manifestations de soutien, de plaidoiries, de minutes de silence pour vous convaincre d'agir avec vos alliés Combien de grèves de la fin Nasrin Sotoudé devra-t-elle faire pour réveiller votre volontarisme politique combien de, fausses, combien de fois son dos devra-t-il être lacéré de coups de fouet pour que nos revendications parviennent à vos oreilles. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui j'ai le cœur lourd. Je ne veux pas qu'un confrère me succède l'an prochain sur cette même estrade pour parler de Nasrin. Je ne veux plus écouter la radio le matin en ayant la crainte d'apprendre que Nasrin a cessé de se battre et qu'elle s'en est allée. Assez. Ce drame n'a que trop duré. L'urgence est absolue. Dans une lettre adressée à Cambacérès en 1804, Napoléon écrivait je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. Cette phrase est insupportable. Et le fait qu'elle puisse trouver un si grand écho à quelques milliers de kilomètres de chez nous l'est tout autant. L'avocat est le rempart des libertés individuelles. Il est la dernière carte des justiciables lorsque ces derniers ont tout perdu. L'avocat, c'est celui qui reste quand il n'y a plus personne. Parce que la défense est nécessaire. Parce que celui qui est jugé est un frère humain. Et parce que ce qui importe, c'est que ceux qui jugent savent qu'ils condamnent un frère humain. L'avocat, enfin, c'est celui qui se dresse contre les magistrats lorsque son client est absent pour cause de Covid et que le magistrat estime qu'il doit quand même être jugé. Eh bien, Nasrin Sotoudé est de cette trempe-là. Elle est de ces avocates dont je suis sûr, M. Dominique Verdeillan, vous auriez adoré. Dépeindre le portrait dans vos chroniques judiciaires. En somme, elle est de ses avocats et de ses avocates pour qui défendre, c'est combattre, mais aussi parfois mourir. Nasrin Sotoudé, confrère, militante et maman, plus que jamais je veux vous dire, nous ne vous oublions pas. Merci, maître.